Bonjour Marco Pierre, alors quelle est ton impression sur ce match après être leader sur ce bloc numéro 2? Quelle est ton impression sur ce bloc numéro 2? Eh ben on est content, voilà, le bloc est fini, on part avec 20 points si je ne me trompe pas de mémoire sur ce bloc. On finit par une belle victoire malgré le temps sur Narbonne. Donc voilà, je pense qu'on a pris, on aura une petite semaine de vacances bien méritée derrière ça. Et donc pour l'instant, on poursuit, on est dans les objectifs, donc ça va. Et on compare avec le top 14 et la Pro D2, Toulon 41 et Oyonnax 40 points. Est-ce que Oyonnax c'est le Toulon de la Pro D2? Ouais, je pense pas qu'il faut pas faire des comparaisons comme ça. Nous, on n'a pas de grandes stars dans l'équipe. Je pense qu'on n'a pas grand chose à voir, même si on a notre parcours un peu similaire. On n'est encore pas Toulon. Est-ce que notre Chabal Oyonnax simple, Eddy Paya, est-ce que c'est le Chabal à nous, qu'est-ce que t'en penses ou pas? C'est sûr que là il est en pleine forme, en plus il fait des gros matchs, c'est bien, c'est sûr que c'est un bon atout pour nous, il nous sort des sacrés matchs, c'est pourvu que ça dure. Après, il y a une semaine de repos, après c'est le Loup. Comment vous allez aborder le Loup en pression? Pas de pression ou pas ou... Bah, je pense qu'ils auront plus de pression que nous déjà, parce que vu qu'on joue chez eux, on va aller chez eux sans trop de complexe, on va essayer de faire notre jeu comme d'habitude. Et en essayant de leur mettre de la pression. Est-ce qu'on va faire le match contre Gerland l'année dernière ou pas? On verra bien dans 15 jours. Et puis après, dans les continuellement, est-ce que Oyonnax peut encore provisionnellement être encore promis depuis encore longtemps? Est-ce que jusqu'à la trêve de Noël, est-ce qu'Oyonnax est capable ou pas? Déjà, on a de la chance sur ces deux blocs, c'est qu'on n'a pas beaucoup de blessés. Voilà, on a un effectif qui tourne, on n'a pas beaucoup de blessés, on enchaîne des bonnes performances. Après, c'est tout un amalgame de choses. Si on continue à faire du jeu comme ça, qu'on a une bonne gestion des hommes et tout ça, on peut espérer encore rester premier, mais après, on sait jamais, on sait jamais comment ça va se passer. Et vous savez pas, est-ce que les matchs aller et puis de retour, est-ce que ce sera compliqué parce que la plus de matchs aller à la maison, en l'extérieur et puis à la maison, là, pas grand chose. Et oui, puis les équipes, elles vont surtout nous attendre. On aura fait tous les matchs aller, on aura rencontré toutes les autres équipes. Alors ils sauront à quoi s'attendre. C'est sûr que là, on avait un effet de surprise un peu jusqu'à maintenant. Maintenant, on l'aura plus. Je te remercie beaucoup. Je te remercie Marco, puis une fois, bon repos à toi et puis à Yo-Yo. Merci.